Il y a quatre possibilités qui permettent à un étranger naturalisé brésilien. C'est-à-dire, les que moun nan pral naturalisé, li pral wè pa ki possibilité ki pi facile pour li pour qu'arriver naturalisé. C'est ça que fait jodi nous pral apprendre tous les quatre possibilités ça yo. Comme ça, na wè ki possibilité ki pi facile pour nous qu'arriver naturalisé. Première possibilité qui existait, c'est naturalisation originalia. Qui j'en ça li même li rive fait. C'est nan pati sa côté que yon moun supposé gen pour pipiti 4 ans que la vive Brésil pour qu'arriver passer par possibilité ça. Et bien en partie ça, li exige pour moun nan gen yon certificat qui prouve le parler portugais, puis tout li gen yon casier judiciaire que le fait en Haïti. Côté que y a voyé le balai. C'est tout yon processus. Si que ou besoin connait tout document pour arriver naturaliser, ou apwè dans description vidéo ça, dans commentaire là, ou ap juste voyon link côté que mwen bay tout document que ou ap besoin. Et dans même partie ça tout qui c'est naturalisation originalia, eh bien si yon moun li même li fait yon ti moun Brésil après un an ti moun sa fin fait, eh bien parent sa li même li getan ka naturaliser. Eh bien dans partie originalia gen an pile moun ki rentre dans partie ça, yon façon pou yo ka rive naturaliser parce que pou yo yo trouvé c'est li ki pi sep. Mais kon sa tout gen an pile moun ki pa konnen si après partie ça, il y a l'autre partie qui existait encore. Deuxième possibilité qui permet yon étranger vin naturaliser brésilien, c'est partie ça là, qui c'est extraordinaria. Ou en partie ça, ou juste besoin gen 15 ans ou vivre Brésil sans que ou pas de jamais quitter Brésil pour aller vivre dans l'autre pays. Ouais, c'est ça que le dit là. Yon moun qui gen plus que 15 ans li a vivre Brésil, li pas même besoin certificat. Li pa besoin aucun certificat qui pouvait le parler portugais et ceci il pas même besoin casier judiciaire que nous voyons fait en Haïti. Li clair là, ou ka seulement l'île. Et bien dans même partie ça, on pourrait que le parler de 15 ans zianus ininterruptus, c'est-à-dire que 15 ans qui pas interrompt. Qui ça signifie? Est-ce que moun sa supposé rester 15 ans dans pays sans que le pas jamais visiter l'autre pays? C'est pas ça que le dit. D'ailleurs, ou pral wè article qui montrait que ou gen possibilité pendant 15 ans ça ou ka visiter al dans l'autre pays. Eh bien, selon constitution fédérale, ou article 12, li montre li la clair, très clair, que ça pas signifie que étranger a supposé rester seulement dans Brésil sans que li pas jamais visiter yon l'autre pays. Ou bien sans que le pas visiter pays, il suffit que li pas fait plus que 3 mois dans pays ça que li même li aller à. Mais parti ça li même li très important parce que c'est pas tout le monde qui gagne yon niveau pour qu'arriver faire un examen pour arriver gen certificat portugais. Gen en pile moun ici Brésil là qui gagne plus que 9 ans, plus que 10 ans. Moun sa yo qu'on a fait des marches pour voir qui gens que yo ka naturaliser, comment que yo ka arriver joindre yon certificat etc. Eh bien là, parti ça pour voler très clair, que ou pas même besoin d'un certificat depuis que ou getan gen plus que 15 ans que ou a vive Brésil. Troisième possibilité qu'on gagne qui ka permettre ou naturaliser c'est parti ça là, c'est naturalisation et spécial. Qui jan li même li fonctionne? Par exemple, si gagne un Brésilien ou bien une Brésilienne qui allait à Haïti, mais li même c'est pour l'État que l'a travaille. Diplomatiquement ou bien c'est dans l'armée que lié ou bien diplomatiquement li marié avec une haïtienne, et bien qui ça vient passer automatiquement yo marié yo fait plus que 5 ans et puis tout haïtienne nan li même tout li parle portugais etc. li gen tan ka naturaliser même si yo pa vive Brésil. Ouais, même si, mais seulement l'a besoin certificat normal qui prouve que li parle portugais, c'est-à-dire l'a juste suivi un cours etc. li gen certificat, mais là li gen droit pour les naturaliser parce que l'ensemble avec un monde qui a travaillé pour Brésil. Parti ça lui-même li très important. Et bien quatrième position ou gen naturalisation provisoria. Et bien qui j'en lui-même li fonctionne? Par exemple, si gen yon ti moun qui vient Brésil, c'est-à-dire que parents vini ensemble avec li poko gen 10 ans. Li rive jusqu'à 9 ans, c'est-à-dire que ti moun sa li gen 9 ans ou bien 8 ans, 7 ans etc. mais poko gen 10 ans. Et bien automatiquement
parent le ka fait processus pour le ka arriver naturaliser depuis que le poko gen 10 ans c'est aller dans police fédérale avec ou bien sous propre système là ou fait processus pour ti moun ça naturaliser seulement police fédérale ka dit qui document a besoin etc. Mais ti moun ça gen droit à naturalisation et ça qui intéressant naturalisation ça lui-même li provisoire c'est comme ça que lié parce que ti moun nan lui-même li poko ka décider pour propre tête li poko c'est-à-dire que li supposé tan li gen 18 ans pour le arriver joindre ça qui permanent mais ti moun ça doit faire en pile attention si que le vin gen 18 ans li quitte 2 ans passé c'est-à-dire que le vin gen 20 ans li pas jamais fait processus ça li perdu c'est ça que fait le relais provisoire li perdu qu'on y a qui ça va l'obliger faire li pral obligé passer dans naturalisation originalia pour pas quitter ça arriver avant que le gen 20 ans li aller dans police fédérale li déclarer que c'est nationalité brésilienne nan que li vle. Bon là li même nous gen toute information nan men nou pas oublier n'importe question gagne poser dans commentaire là parce que avec même question nou yo m'a fait vidéo pour nous comme ça tout mon a gen bon gens information nan men yo à la prochaine.